Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après quelques mois d'absence, quelques semaines d'absence qui sont liées, je pense que un certain nombre d'entre vous le savez, qui sont liées à mon arrêt d'activité au sein même du laboratoire d'Eva, mais toutefois, voilà, en continuant une activité sous forme d'intervention comme celle que je fais aujourd'hui, et j'en suis très heureuse et je vous remercie de votre écoute par avance. Voilà, alors le sujet d'aujourd'hui est un sujet quand même grave, important, un sujet de société, un sujet qui malheureusement a pris une importance considérable puisque on parlait des addictions. Il y a quelques années encore, comme éventuellement une déviance, un vice, et aujourd'hui, on en parle comme une véritable maladie qui peut relever à l'extrême de la psychiatrie, de prise en charge psychiatrique. Donc aujourd'hui, je vais tenter de vous proposer quelques clés florales pour sortir de l'engrenage des addictions. Et tout d'abord, pour poser le cadre général, quand on parle d'addiction, donc on peut parler de consommation excessive de certaines substances comme l'alcool, comme le tabac, comme des drogues, ou alors même des aliments, hein, on connaît la pulsion sucrée ce qui peut nous pousser à consommer beaucoup de sucre en un espace de temps assez réduit. Mais également aussi des comportements un peu obsessionnels qui, à l'égard donc par exemple d'Internet, à l'égard de jeux, que ce soit des jeux de vidéo, des jeux de gains. Également même, on peut parler aujourd'hui aussi d'une addiction pour certaines personnes au sport. Et donc, ces addictions entraînent en général un dysfonctionnement au niveau du cerveau qui fait que notre cerveau ne prend plus les bonnes réponses pour maintenir notre santé en bon état. Quand je parle d'addiction, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas de simples excès comme on peut tous en faire dans des moments très passagers, mais là on parle bien d'un comportement qui ne peut pas se contrôler ou d'une consommation qui ne se contrôle pas et dont l'attente met en état de tension, de même que l'interruption. Ce qu'on appelle donc le sevrage, va provoquer également des tensions, tant au niveau physique que psychologique. Et on parle d'addiction également lorsque une personne ne peut pas résister à son comportement ou à sa consommation excessive et qu'elle n'a aucune, comment dire, aucune considération et aucune conscience de ce que cette situation, cette consommation, son comportement peut engendrer comme dégâts, entre guillemets, comme sur son environnement, qu'il soit familial, professionnel ou dans l'environnement social en général. Donc, on parle là vraiment bien d'addiction et pas d'excès. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que grâce aux neurosciences, on sait aujourd'hui comment fonctionne dans le cerveau, comment se passe qu'est-ce qui se passe, pardon, au niveau du cerveau lorsqu'une personne devient accro à une substance, devient addict à une consommation. Ce qui a été déterminé, c'est que ce sont les neurotransmetteurs qui sont au centre de ce processus d'addiction. Donc,
ces transmetteurs, ces molécules qui sont transmises par les neurones via certains récepteurs. Et notamment, dans ce processus d'addiction, on a un neurotransmetteur qui joue un rôle important, c'est la dopamine. La dopamine procure, quand elle est libérée, elle augmente la sensation de plaisir. Et donc, la dopamine, dans le processus d'addiction, elle va se trouver au centre d'un cycle un cycle qui va devenir un cycle vicieux de récompense. C'est-à-dire que la personne va consommer, va se faire plaisir, ou elle va avoir un comportement qui va également lui faire plaisir. Ça va provoquer, ce plaisir va provoquer une libération de la dopamine. En libérant de la dopamine, eh bien, la personne va avoir encore plus envie de retrouver cette sensation de plaisir et va à nouveau consommer et donc à nouveau libérer de la dopamine. Et on rentre dans un système de consommation, un cercle qui n'en finit pas et qui ne fait justement qui peut que monter en puissance. C'est aussi une des caractéristiques de l'addiction, c'est que la personne qui est addict, c'est quelqu'un dont le seuil de tolérance à la substance nocive ou au comportement ne fait qu'augmenter. Son seuil de tolérance augmente. Et c'est comme ça que elle recherche de plus en plus une satisfaction, un soulagement, même si ce soulagement, cette satisfaction, finalement, sont souvent très temporaires. Bonjour, bonjour Carolina, bonjour Marie-Pierre, bonjour Nadia, merci d'être présente. Alors, donc pour revenir à notre sujet plus précisément, des facteurs, donc là on a évoqué la consommation et des substances, des comportements qui seraient liés à, qui sont, comment dire, rattachés à un dysfonctionnement du cerveau, mais il y a d'autres facteurs bien évidemment qui interviennent dans le comportement addictif. Ce sont des facteurs qui peuvent être liés à la génétique, qui peuvent être liés à l'histoire personnelle, à des stress passagers ou permanents, en tout cas, d'autres facteurs qui vont expliquer aussi pourquoi il y a une orientation vers certains comportements ou une consommation vers certaines consommations vers certaines substances nocives. Donc, cet ensemble de causes nous montre que, nous indique que lorsque l'on veut aider quelqu'un à se libérer son addiction, il est important de le faire dans une démarche globale et vraiment pas seulement symptomatique. C'est important parce qu'il faut amener la personne vers un changement intérieur profond. Et c'est en cela, ça me permet justement de faire la transition, de faire le lien avec l'introduction des élixirs floraux et des huiles essentielles qui sont vraiment un bon choix pour traiter la dépendance. Parce que traiter la dépendance, c'est traiter un problème qui se situe au niveau du système nerveux, mais c'est aussi traiter les émotions. Et les élixirs floraux, les huiles essentielles vont accompagner en douceur et progressivement la personne pour l'amener vers une réconciliation avec elle-même, mais aussi vers une transformation intérieure profonde. Voilà. Voilà un petit peu le cadre que je voulais poser. Bien évidemment, il n'est pas exhaustif, mais je voudrais arriver plus directement maintenant à la sélection que je voudrais vous proposer pour soulager ces dépendances et accompagner la personne qui a engagé un processus de sevrage. Tout d'abord, pour la première indication que je pourrais vous donner, je pense que vous l'avez
certains vous l'avez bien deviné, il s'agit du duo des accoutumances qui est composé d'un élixir essentiel et donc un mélange de 5 huiles essentielles et un composé floral composé lui-même de 7 élixirs floraux que je reprendrai en détail un peu plus loin. Mais donc ce duo des accoutumances qui peut être utilisé soit séparément, l'élixir essentiel seul en respiration, donc de longues inspirations par chaque narine qui est plusieurs fois par jour, ou par voie orale, donc le composé floral par voie orale à raison de quelques gouttes ou deux sprays à chaque prise plusieurs fois par jour également, donc soit séparément, mais tous les deux en cure, on va dire quand même sur plusieurs jours d'affilée, ou alors on peut les utiliser en complémentarité, en commençant par respirer l'élixir essentiel, puis en attendant quelques minutes, par prendre par voie orale les gouttes du composé floral. Ce duo des accoutumances, pour ma part, je l'indiquerai en première approche, c'est-à-dire en accompagnement d'une problématique qui peut être passagère, par exemple lors d'un sevrage tabagique, quelqu'un, donc on va proposer des accoutumances pour aider la personne à régler les perturbations émotionnelles qui peuvent survenir pas avec l'arrêt du tabac, comme la nervosité, l'impatience, l'irritabilité. Voilà, donc on propose des accoutumances en accompagnement d'une façon globale. Toutefois, il est intéressant quand même, dans le cadre d'un travail, d'un accompagnement plus thérapeutique et sur une plus longue durée, d'affiner le conseil et dans ce cas-là, de proposer une, deux ou un mélange de plusieurs élixirs floraux. Et donc, je vais vous proposer une sélection de quelques élixirs floraux pour rentrer un peu plus dans la problématique de la personne. Auparavant, je ne voudrais pas oublier de citer aussi le duo, c'est-à-dire élixir essentiel et composé floral, assistance, bien évidemment, qui peut être extrêmement utile en cas de période de crise qui peuvent survenir soit en période de sevrage, mais sinon dans les situations, dans tous les moments où la personne qui est dans un comportement addictif est en difficulté. Donc, en période de crise, pensez aussi à assistance. Voilà. Je regarde si il y a quelques questions avant de commencer ma liste. Bonjour José, bonjour Corinne, bonjour Françoise. Merci de votre écoute. Donc, pas de questions. Alors, pour l'instant, donc, je vais commencer ma sélection d'élixirs que j'ai regroupé un peu par chapitre. Et quand j'ai préparé cette intervention, la première émotion qui m'est venue à l'esprit, c'est l'insécurité et la peur. Il me semble que des personnes qui sont dans ces états d'addiction installés et pour certains graves, peuvent avoir de grands sentiments d'insécurité et de peur. Et pour cela, je voudrais vous proposer une première fleur, un premier élixir floral qui est dans la gamme d'Eva, qui est un élixir, pour moi, un élixir majeur de cette gamme, qui est l'élixir floral d'Angélique, que vous avez représenté sur cette photo. Donc, cette fleur d'Angélique qui s'élève vers le ciel, hein, en général au bout d'une longue tige, et qui porte dans son nom sa signature, puisqu'elle est la signature d'un lien avec le monde des anges, avec le ciel. Et le message de l'Angélique, c'est un message de force, de courage et de protection qui met en lien, qui donne une certaine
guidance, une certaine présence de guide qui vient, de guide qui viendrait du ciel. Et donc, proposer de l'angélique à une personne en détresse, c'est aussi lui proposer de recevoir la force bienveillante de ces forces, de ces guides spirituels, de ces guides célestes à travers le message de l'angélique. Et le deuxième élixir floral, qui est une fleur de Bach, que vous avez peut-être probablement deviné, eh bien c'est le prunus, cherry plum, pardon, en anglais, cherry plum. L'élixir, la fleur de Bach pour la peur de la perte du contrôle. Et j'imagine combien ce sentiment doit exister chez des personnes qui sont en situation d'addiction, la peur de craquer, la peur de ne pas arriver à contrôler son besoin compulsif de consommer ou d'avoir un comportement inadapté. Donc prunus, cherry plum. Voilà pour les peurs. Bien évidemment, il y a d'autres fleurs qui correspondent aux peurs, mais là, en particulier, dans le cadre des addictions, c'est celles qui me semblaient les plus intéressantes à vous proposer. Et ensuite, j'ai sélectionné un certain nombre de fleurs autour de pour redonner de la vigueur, de la vitalité et surtout pour se reconnecter, pour reconnecter la personne à des rythmes plus naturels. Et ça me permet d'aborder la première fleur que vous voyez également en haut à côté de l'angélique, ici, donc l'hypomée, cette belle hypomée en forme de trompette qui, elle, porte sa signature dans son nom anglais qui s'appelle Morning Glory, la gloire du matin, ou certaines variétés en français s'appellent Belle de jour. Et donc, cette signature montre à quel point la fleur est liée avec la lumière, avec le soleil. Donc c'est une fleur qui va s'ouvrir progressivement au fur et à mesure que l'intensité de la lumière augmente et ensuite se refermer au fur et à mesure que la lumière disparaît. Et ceci dans des cycles de 2-3 jours, puis ensuite la fleur va tomber, mais le renouvellement est continu sur la plante. Et donc, cette fleur d'hypomée, à travers son élixir floral, va apporter à la personne en difficulté une énergie, une vitalité pour démarrer la journée, pour pouvoir se lever, souvent, puisque souvent c'est un peu problématique pour des personnes qui n'arrivent pas à se coucher, qui donc n'arrivent pas à se lever et qui vont tout le temps être en décalage par rapport aux autres. Et donc, cette fleur d'hypomée, ça va les aider à démarrer et à avoir la vitalité nécessaire pour toute la journée. C'est également un élixir intéressant pour redonner une certaine stabilité qui va permettre à la personne de retrouver un mode de vie équilibré dans ses rythmes d'alimentation, de repas, dans ses rythmes de sommeil surtout. Elle va stabiliser l'humeur, stabiliser le comportement, c'est-à-dire éviter des journées des moments d'hyperactivité et puis des moments de grand abattement sans raison apparente. Et également soulager aussi toutes les tensions qui provoquent tensions qui provoquent des manifestations d'origine nerveuse comme les grincements de dents, les insomnies, le rongement d'ongles, etc. Voilà. Donc vraiment une fleur fondamentale qui est dans des accoutumances d'ailleurs, fondamentale pour réguler les rythmes de la personne, pour l'aider à se recaler. Ensuite, on va aborder bien sûr des élixirs en lien avec la détente, la relaxation, cette valériane qui est ici, cette grande fleur également au bout d'une longue tige. C'est une fleur qui a une certaine souplesse, qui va être légère, qui va se laisser balloter au gré du vent avec légèreté et souplesse. Et donc, c'est l'élixir floral de valériane
Il va apporter, un peu comme en phytothérapie, il va apporter de la détente et de la relaxation pour relâcher vraiment toutes les tensions nerveuses des personnes qui sont en souffrance, notamment en période de sevrage. De même, la lavande que vous voyez ici aussi, la lavande est vraiment conseillée, pardon, dans les cas de pour les personnes qui ont, comme on dit, les nerfs à vif, dont la raison peut être un excès de consommation de stimulants ou de substances, ou au contraire une absence, un manque. Donc la lavande va apporter une certaine paix intérieure. Également, dans les élixirs de détente, de relaxation, on peut évoquer également la camomille, qui, elle, agit sur les tensions, en particulier au niveau de l'estomac, mais c'est surtout un élixir floral qui ramène le calme émotionnel, et donc qui va aussi stabiliser la personne dans son comportement, dans ses humeurs. C'est vraiment l'élixir de la détente et du calme émotionnel. D'ailleurs, très intéressant pour les enfants également. Voilà. Voilà pour les élixirs autour de la détente, de la régularisation des rythmes. Et pour terminer, je voudrais quand même évoquer un élixir de la gamme des élixirs floraux andins, donc préparé par notre ami Vincent Belbez, qui est producteur d'élixirs floraux au Chili et dont nous distribuons les élixirs floraux chez Deva, et qui vient d'ailleurs, j'en profite, d'éditer un magnifique jeu de cartes sur les 24 élixirs floraux andins, donc uniquement les floraux. Hein. Vous savez que Vincent fait d'autres élixirs, mais là, en l'occurrence, là voilà la Roncaria dont je vais vous parler. Donc des grandes cartes très colorées. Et ce jeu, pour l'instant, est disponible chez Eve April, qui est une distributrice des produits d'Eva également à Paris, mais qui a un site qui s'appelle Art Stella, ARTSTE2LA. Donc je vous invite à regarder sur ce site pour pouvoir vous procurer le jeu de cartes des 24 élixirs floraux andins. Et donc j'ai sélectionné la Roncaria, qui est un élixir d'ancrage et de reconnexion à la terre, très important dans les cas de pour les personnes qui sont déconnectées de leurs racines, qui vont être déconnectées de la réalité. Donc la Roncaria, qui correspond à un arbre, c'est un très grand arbre, c'est une forme de sorte de conifère qui fait partie des forêts les plus anciennes du Chili. Et donc la Roncaria, c'est un l'élixir floral est un élixir qui va permettre à la personne qui va renforcer son chakra racine et qui va lui permettre de se relever et de s'aligner, de se recentrer. Et grâce à cet alignement, elle va reprendre une énergie vitale qui va lui permettre de retrouver l'envie et l'enthousiasme pour avancer sur son chemin de vie. Aroncaria. Voilà. Je continuerai, il faut que j'avance un petit peu. Je vois que le temps passe, je suis désolée, j'aurais envie de vous dire beaucoup de choses et je voudrais notamment vous indiquer un certain nombre d'élixirs autour de la problématique de l'estime de soi et de restaurer l'image de soi qui peut être vraiment atteinte dans les cas d'addiction forte. Il est important d'aider la personne à se réconcilier avec elle-même. Tout d'abord, la première fleur que je voulais nommer, c'est la petite fleur de Centauré, qui est donc Centauri dans les fleurs de Bach, qui est celle, la fleur qui permet de poser ses limites. C'est très important pour une personne qui est en situation de sevrage, qu'elle sache retrouver ses limites et qu'elle sache les poser et ne plus, pour ne pas répondre aux injonctions de son environnement, mais à ce qu'elle ressent comme besoin vraiment en elle. Voilà, la fleur de Centauré. Également, dans les élixirs liés à la réconciliation avec soi-même, je citerai le crab apple, pommier sauvage dans les fleurs de Bach, pour retrouver, s'accepter tel qu'on est
et se respecter, donc dépasser le dégoût qu'on peut avoir de soi-même, et donc rentrer dans un processus d'acceptation et de purification que l'on peut également accentuer avec l'élixir floral de jasmin dans la gamme de Deva, cette belle fleur blanche, symbole de pureté, de beauté, qui va travailler sur l'élimination des toxines, qu'elles soient aussi bien émotionnelles que physiques. Donc c'est très intéressant de proposer aussi dans une cure, dans un sevrage, le jasmin en accompagnement. Ensuite, on peut parler également de la brunelle dans la gamme de Deva, qui va aider une personne à trouver en elle ses propres forces de transformation et de régénération, hein, parce qu'il faut aller les chercher aussi au fond de soi et pas forcément que à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment la qualité première de la brunelle. Et enfin, je citerai aussi l'équinacée. L'équinacée dans la gamme de Deva, lorsque vraiment l'intégrité de la personne est atteinte, parce que à cause de comportements extrêmes qui ont conduit la personne à ne plus se respecter dans ses besoins vitaux comme le sommeil, l'alimentation, et donc provoquant par ce fait une très grande fatigue. Donc cet élixir floral d'équinacée va aider la personne à restaurer à retrouver son identité vraiment profonde et également à récupérer d'une très grosse fatigue physique et psychologique liée à des dérèglements fondamentaux. Et un élixir également qu'on pourrait citer par rapport au tabagisme, qui est ici, cette jaune fleur rose, c'est le tabacum, élixir floral de tabacum, qui, dans son usage premier, le tabac était quand même une plante sacrée qui faisait partie des rituels des Amérindiens, mais qui aujourd'hui, la consommation aujourd'hui du tabac, quand elle est ce qu'on appelle le tabagisme, eh bien, elle est là pour soulager une personne, souvent par rapport à des stress, par rapport à des situations difficiles, et elle engendre, souvent elle entraîne une forme d'insensibilité et d'une anesthésie des sentiments. Et donc, c'est intéressant quand on constate une froideur et une insensibilité chez une personne qui a été trop loin dans la consommation de tabac. C'est intéressant de lui proposer Tabacum pour qu'elle se reconnecte aux sentiments du cœur et qu'elle arrive à réveiller sa sensibilité. Je terminerai également par deux autres fleurs sélectionnées dans les élixirs floraux andins. Le boldo, que vous avez également en photo ici. Donc, boldo, c'est l'élixir de la réconciliation avec soi-même. C'est l'élixir et avec la vie. Donc, c'est un élixir floral qui va aider la personne à retrouver la joie de vivre et à retrouver la paix avec elle-même pour pouvoir se réconcilier, se restructurer intérieurement. C'est vraiment un boldo, c'est un élixir qui est très intéressant pour soulager, pour soutenir sur le plan émotionnel toutes les peurs de manquer. Et enfin, le bougainvillée, je vous le montre en carte, pardon. J'espère que vous pouvez le voir. Petite fleur blanche. Le bougainvillée a un lien avec l'héritage ancestral. Donc, c'est un élixir que l'on va recommander lorsque une personne est en lien avec un passé qui l'a conduit à des comportements ou à des attitudes addictives, et donc il est important qu'elle nettoie ces toxines liées à ce passé ancestral tout en conservant la sagesse de ce passé, hein, mais éliminer les toxines qui peuvent conduire la personne vers des comportements inadaptés et des consommations excessives. Bougainvillée, voilà, toujours dans la gamme des 24 élixirs floraux andins.
Voilà, je pourrais vous parler encore aussi du bourgeon de marronnier, bien sûr, Chestnut Bud dans la gamme de Bach, bourgeon de marronnier qui va aider la personne à sortir des schémas répétitifs qui la conduisent à consommer ou à se comporter d'une certaine manière, donc sortir, tirer les leçons de ce qu'elle a déjà vécu pour pouvoir sortir de ces schémas. Je vous parlerai, je pourrais vous parler aussi du basilic qui est lié à la sexualité, donc qui est en photo ici, vous voyez, le basilic qui est lié à une forme qui est lié à une sexualité, mais qui est lié à des dérives autour de la sexualité, donc que ce soit dans la pornographie, dans une obsession sexuelle. Donc le basilic est un élixir qui va rééquilibrer le comportement autour de la sexualité et il est entre autres dans le composé adolescence, puisqu'à cette période-là, c'est important de soutenir l'adolescence dans cette découverte de cet élément nouveau de sa vie qui est sa vie sexuelle. Et enfin aussi, je pourrais citer le cœur de Marie, que l'on cite souvent et qui là est en lien avec la dépendance affective. Donc, très intéressant et je suis heureuse de terminer sur cet élixir floral qui est l'élixir le plus utilisé, le plus plébiscité dans la gamme de Deva et qui là accompagne, permet aux personnes qui vont l'utiliser de retrouver une certaine indépendance dans leur vie de couple, dans leurs relations, de retrouver de l'espace et de ne plus dépendre uniquement de l'autre. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. S'il y a des questions que vous pouvez même. Je répondrai peut-être rapidement à Anne. Bonjour Anne, combien d'élixirs peut-on prendre en même temps? Eh bien, écoutez, on essaye de. C'est vrai que on évite peut-être de utiliser peut-être au-delà de 5-7 élixirs, on va dire, c'est un bon nombre. Certains composés floraux de Deva ont 7 élixirs floraux. 5, c'est bien, mais ça peut être 3, comme ça peut être une seule fleur. Voilà. Nous avons chez Deva des thérapeutes qui prescrivent beaucoup plus de fleurs encore et qui ont de bons résultats. Donc, je crois qu'il ne faut pas se limiter à tout prix lorsqu'on commence un diagnostic et une réflexion. Sachez que tous les élixirs peuvent être pris ensemble. Il n'y a aucune incompatibilité entre les élixirs, que vous pouvez vraiment les utiliser tous les uns avec les autres. Voilà, eh bien écoutez, je crois que je n'ai pas d'autres questions. J'ai dépassé de quelques minutes le temps qui m'était accordé. Je vous retrouverai peut-être cet automne et en attendant, ben, je vais vous souhaiter un bel après-midi. J'espère vous avoir intéressé par ces quelques renseignements et conseils. Donc, je vous souhaite un bel après-midi pour nous dans le Vercors avec le soleil retrouvé. J'espère qu'il en est de même chez vous. À bientôt. Au revoir. Ça y est, d'accord.